Film Fest. Et c'est un long débat. Et nous pas de film connaît parce que nous connaît que il y a un pile monde après Sundance qui tape un film là. Vendeur nous, parce que vous connaissez, dans le métier, c'est nous avons une équipe de monde qui est chargée de vendre film là. Le fait que tu viennes accepter l'opportunité, ça, le fait que moi-même, d'ici, moi, tu viens très content. Donc, c'est à, je me tape dit, à 7h20, lundi, là, cap finir, là, le 10. Mais ça veut dire, par exemple, le Ougon film, ou c'est producteur film là, avec Gilbert Mirambeau, ça veut dire pour nous, le un film a passé et il a projeté le cinéma ici aux États-Unis, puis précisément dans Maryland qui à côté Washington. Bon. Ndaga dit, film, non, l'offre font film, c'est pour mon Noël. Donc, gain toute une stratégie, parce que nous-mêmes là, nous arrivons dans le stade côté que nous faisons première mondiale Sundance, qui sont très belles. Ndaga dit, publicité pour film, non. Qu'on y a un sacrivé, c'est que faut gain des séries de monde qui, que nous signons contrat de distribution pour que après ça, y a le vendre film, non, sous différents territoires. Donc, le fait que ça a fait, gon petit temps qui prend avant que bah, et ça au fait. Donc, vendeur yo gon mod yon ti jan kenbe bagay la ou pa vle la gel trop. Donc mais même depuis film nan fin sorti gen pil moun k ap ban nou presyon, gen pil moun ki vle wè film nan, mais c'est piti piti n ap avanse vers étape ça à côté que bon, li pral disponible nan cinéma et éventuellement sous des plateformes tout bagay ça yo. Donc là m pense enfin le 10 là, m pense c'est première fois que un gros public haïtien pral wè film nan parce que Sundance c'est ton public Dakar dit de professionnels ou de moun zone nan. Donc film nan quand même son film qui a m'ta dit 90% créole, bon petit point de français la donne. Je pense que malgré que nous essayons bah, l'ambition ou du moins on portée internationale, film nan était profondément haïtien, il traitait de problèmes haïtiens, de réalité nous. Donc, je suis très curieux de voir réaction haïtien devant film nan. Là, parler de Sundance Film Festival, c'est un gros bagage. Et est-ce qu'on peut parler de l'expérience que nous faisons avec Kidnapping Inc. dans Sundance Festival? Le nous venons apprendre une nouvelle, ça, c'est une très grosse nouvelle pour nous. Surtout que, et réalisateur film, non, Bruno Moura, l'associé, objectif, monsieur, c'était arrivé Sundance. Parce qu'on connaît, et il y a différents types de cinéma, ou bien, par exemple, Cannes, qui sont cinéma auteur. Sundance, c'est le plus gros festival film indépendant aux États-Unis. Donc, ça veut dire que les très focus film américain, et ils prennent quelques autres grands films étrangers, tout. Donc, le fait que, après 10 ans de travail, il y a eu une bonne opportunité, ça, c'était, bon, vraiment, c'était un très gros moment dans la carrière, nous toutes. Et pour Bruno, ça vient ouvrir un pile porte, monsieur vient gagner un manager, monsieur gagne un agent, donc ça veut dire que monsieur lui-même tout, étant donné que l'on tige en vivant à Haïti et les États-Unis, ça a vraiment, bah, une opportunité pour monsieur rentrer sur le marché américain. Et puis pour nous-mêmes, pour le projet en général, bon, voilà, c'est une plus belle carte de visite qu'on a gagnée. Expérience, là, t'es très originale, et puis surtout que, ces festivals-là, t'es fait Park City. Park City, son côté que bon, nous pas de mal là, mais c'est dans Utah, son côté c'est dans Station Key, donc fait fret net, vous comprenez? Donc, comparé à l'autre festival que nous faisons dans le passé, c'est une expérience totalement différente. En plus, nous avons une chance que le nouvel là tombe, il y a pile moun nan équipe là qui voulait participer. Donc, et nous avons dit Gilbert, donc non seulement producteur, mais il y a des acteurs qui sont venus, Manfred Marcelin et Marcus Beau. D'ailleurs, Marcus a venu là pour le festival d'ici à tout. Et donc, nous avons Et Annabelle Lopez, qui c'est une actrice belge qui était dans le film, non? Donc, nous avons 5 acteurs, nous avons une bonne partie de staff là qui était avec nous, nous avons 14 moun. Donc, même en tant que producteur, c'est un gros mal tête pour coordonner bagay ça, pour gérer tout le monde ça, qui a fini, qui a privé à des pas possible en mi-temps la nuit. Donc, c'était un pile travail. Après ça, on a tout le monde tombé malade, tellement fier de nous péter. Mais, expérience était très positive. Et, public là, qui était complètement, t'as qu'à dire, international, il a bien recevoir film, non? Alors, nous t'ai fait deux. T'as qu'à plusieurs projections que faites, mais, grande première là, c'était une petite salle qui est très mythique, qui est les The Egyptian. Mon cher, le fait que le film était en créole, nous étions déjà stressés, mais comme si ça l'a été petit, mon vibe, il y a des séries de blagues que nous pensions que nous n'allions pas gagner, parce que le film a une partie qui est très comédie là-dedans. Donc, une série de blagues que nous pensions que nous n'allions pas comprendre, nous comprenons, ni nous vraiment rentrer dans le film, ça te fait nous plaisir. Deuxième projection, c'est ton public. Alors, première projection, c'est ton public, d'accord, dit plus professionnel. Deuxième, t'es fait en Salt Lake City. Et là, c'est ton public. Nous sommes nous rentrer dans la salle là, nous virer tête, nous regarder, nous, c'est nous-mêmes seulement qu'on jeune noir, marron là, tout le monde blanc net dans la salle là. OK. Donc,
public là ça a été beaucoup plus calme vous prenez mieux yoté pour recevoir film dans l'autre genre ça là expérience était différent même on y a quand même été dans film là nous t'es fait un petit Q&A après on y a posé question ça c'est des mondes c'est première fois que vous avez eu contact avec Haïti donc il était intéressant pour qui genre on l'autre public c'était une autre expérience totalement vous prenez mieux ou qu'on est pas de parler de ou parler de Sundance Festival là et nous même qu'on est nous francophones Haïti très proche de la France et nous posons des questions pour qui ça et kidnapping n'est pas passé dans le festival de Cannes, même Jean Genet Spacia, nous t'arrêtons, mais peut-être, ouais, il y a l'autre film est passé dans le festival de Cannes. Effectivement, mon cher, que ma bonne réponse politique. Réalité, bien évidemment, nous t'es, son débat qui fait pendant très longtemps, mais le film n'a pas oublié son coproduction qui fait avec la France, le Canada, et nous avons des vendeurs qui sous dossier à tout. Et, yo même, malgré que nous t'es exprimé le fait que nous t'es voulu aller, yo t'es dit que bon, il y a des problèmes de qualification, bien sûr tout le fait tout que festival yo en compétition une avec l'autre donc en général il y a goûté pour une certaine exclusivité donc sous passer Sundance c'est très rare vous comprenez moi pour que Cannes t'a mis ton priorité parce que yo même tout yo veut gagner la primeur sous des séries de films donc c'est une raison qui fait que nous pas passer l'autre bord. OK qu'on y a Gaëtan Chancy expliquez-moi par exemple Wallo dans film ça ou c'est producteur ça veut dire et jargon on tient pas toujours clair pour et téléspectateurs nous auditeurs nous lors du producteur ça veut dire ou même avec Gilbert Mirambo producteur en général le premier sens que well c'est moun k'ap pote moyens financiers ou bien moun k'ap mette moyens financiers ou du moins moun k'ap chercher réuni moyens ça pour que vous faites donc well moyen bon dans film ça par exemple réalisateur monsieur était producteur tout puisque monsieur mettait en pile de fonds pâles dans projet là mais nous même ça nous t'ai fait c'est rencontrer avec des autres producteurs pour nous faire des coproductions à chercher des fonds auprès du CNC auprès de Téléfilm Canada même si que en réalité d'accord dit un gros parti le problème vient arriver nous vinn obligé un petit genre step up et faire face à obligation nous tout donc en général producteur c'est lui même qui réunit moyens financiers et c'est lui même qui assure tout que ou livre un produit fini c'est lui même qui est responsable c'est lui même qui a contrôlé l'argent vous comprenez donc par exemple film ça c'était quand même un projet assez vaste c'était un film d'action à Port-au-Prince pendant pays a nous shoot en 2019-2021 et pendant pays a été vraiment passé des moments difficiles le n'a fait pré-production c'est la mi-temps barricade n'a passé bon m'a pas rentrer dans plus de détails mais on connaît tout que le nous t'a shoot projet a un gang qui t'a attaqué nous t'a kidnappé trois employés nous bon bref ça son petit parenthèse mais le bagage ça arrivé c'est moi-même qui aux manettes c'est moi-même qui a géré équipe là pour camber la barque donc producteur m'ta ka dit c'est quand un capitaine et un capitaine bateau qui assurait le que navire arrivé à bon port au fond nous pouvons parler de film non même et Kidnapping Inc pour et qui ça film dans porter bail et moun qui pral gade ou peut-être qu'on pas arriver les toutes séquences mais au moins m'ka bon un petit pitch vous comprenez mais OK bon pour mettre le nom catégorie m'ta ka dit que film nan un petit genre ovni ça veut dire il mélange plusieurs styles mais globalement c'est un comédie noire lié donc comédie noire qui veut dire que ou va regarder réalité a mais ou va faire blague sous lui d'accord, dit une attitude qui est très haïtienne parce que nous toujours subi un paquet de problèmes mais nous toujours appris de situation nous toujours tragique exactement bon exactement c'est-à-dire que humour noir plutôt humour noir. Donc d'accord, dit que le bon côté très comédie noire et son satire politique lié alors film nan ou pas penser son film qui politique mais li gon côté politique et son histoire qui est complètement fictive ou vraiment c'est pas vrai nous pas parler de vrais politiciens mais il inspiré d'acadie de réalité haïtienne donc gain tout au premier partie dans film non pas de dit trop parce que je voulais qu'un surprise pour le moment pas regarder d'acadie que gon premier partie film non qui très d'acadie action aventure deuxième partie a peut-être plus viré non on t'a dit une sorte de drama donc c'est ça. Parlons un petit peu de acteurs, choix acteurs, il y a des gens qui sont haïtiens, des gens qui sont belges, des gens qui passent qui sont de l'autre côté. La majorité acteurs, c'est des acteurs haïtiens. Il y a une actrice étrangère qui parce que comme nous avons un rôle étranger, bon, nous choisi, nous endop choisi Annabelle Lopez qui a une très belle performance en film là. Même t'as qu'à dire majorité acteurs qui dans film là, c'est des monde que nous avons des relations avec eux depuis très longtemps, des monde que nous habitués travailler avec eux ou qu'on est avant nous t'es rentré dans film, nous t'es fait un peu publicité, donc
gagné, nous venons développer des rapports. Nous avons Manfred Marcelin qui sont monde qui a fait publicité avec depuis très longtemps. Nous avons Jessica Généus qui sont monde qui a travaillé avec lui depuis très longtemps, même si nous pas fait un pile réclame. Parce que Jessica lui même était toujours très d'Acadie dans le lit, plus film, vous comprenez? Mais lui quand même, lui, non, la réclame que lui a fait, c'était avec Bruno. Donc, nous avons une bonne relation avec lui. Il y a Patrick Joseph qui sont l'autre acteur que nous avons travaillé avec lui en pile, qui finalement quitté Haïti, qui a vivre en Allemagne, que nous fait rentrer. Donc, bon, il y a Marcus Boli même, là, nous contacter, monsieur, c'est en Chine, il a vivre. Donc, son série de Haïtiens qui peut-être pas forcément tout cela, mais des mouns que après réflexion, il y a des mouns tout, nous quasiment, l'un t'a fait écriture, nous écrit Wall ça en pensant à moun ça, vous comprenez? Donc, il était très compliqué pour nous réunir nous tous, alors que, époque ça, j'aime dire, c'est 2019, tout le monde commence son petit jambe gaillé. Mais bon, nous te font gens, nous fait effort pour que vraiment nous te travaillons avec moun que nous te voulons. Donc, c'est un peu ça, les grands rôles, nous t'a dit. Manfred, Jessica, faut pas oublier, non, sinon, on va le faire avec Patrick, et, il y a Ashley Laratou, qui, voilà, qui est en Haïti, qui travaille sous film, là, avec nous. Donc, Moi, t'as parlé de écrit, moi, t'as parlé de synopsis, là, qui est-ce qui, non, mais qui est-ce, gros, on sait, qui a écrit film, là, qui a pensé synopsis, là, et autres. Bon, Ndaka dit son trio, c'est même trio qui t'a écrit Kafoua. Donc trio ça a composé de Jean-Samuel André qui était Jasmuel André. Voilà, c'est nom d'artiste monsieur, gen Bruno et puis gen Gilbert. Donc nèg yo t'a écrit à trois en pile et puis ça qui vient arriver me penser que gon moment Gilbert même si monsieur quand même officiellement scénariste sous projet a, monsieur vient aussi genre à l'école parce que depuis Carrefour, étant donné que moi à l'époque, m'ai pas vraiment actif dans production Carrefour parce que société a été toujours genre marché, m'ai pas quitté un business qui a marché pour mal rentrer dans le bail qui pas faire zéro l'argent, vous comprenez? Donc gon moment Gilbert vient plus passer en côté production. Sam Jasmuel c'est quand même main rider a cap travaille avec Bruno et puis nèg yo vansé ensemble, mais c'est voilà, c'est œuvre toi. Jasmuel n'ta ka di un rider principal, nèg yo fait et session pour travailler ensemble toute bagaille ça, et puis à la fin c'est vraiment Jasmuel n'ta ka di qui prend plumier et puis cap frapper et puis back and forth, et puis c'est comme ça nèg yo travaille en équipe. On regarde l'itinéraire film là, côté sorti, côté le pralé. Nous déjà passé dans Sundance Festival et jodi a nous trouver nous dans Maryland, qui côté nous pral la film là, côté nous espérer que le rivé. Bon, et film là, m'ta ka di a font petit parcours de festival, donc gen Sundance, nous même nous te vle plus faire, nous même nous te vle faire plus nous te vle plus festival, mais ça nous vient apprendre de la part de vendeur yo, yo expliquer nous que faut nous pas overexpose film là pour que s'il va c'est trop côté du coup moun ki pral acheter territoire après ça a gen moins comme si m'ta dou envie puisque li moins marketable après ça. Même faut tirer ton moment acheter territoire là, ça veut dire quoi? Et mais qui ça va passer dans métier, c'est que gon distributeur lui même qui vini li paye un OMG toute bagaille ça, et puis après ça c'est monsieur qui pral vendre ni à toute canne, li pral vendre ni bay télévision, li pral parce que c'est comme si m'ta dou industrie a très segmenté. Donc vendeur gain acheteur gain vendeur, donc vendeur lui-même il va vendre télévision, il va vendre plateforme, il va vendre à droite, et en généralement qui ça passer, il passe par territoire. Donc par exemple un monde qui a vendu dans toute Amérique latine, un autre monde a vendu en Afrique, un autre monde, ou du moins un monde qui a pris pour le reste du monde tout. Bon généralement là son plateforme ou Netflix il ca arriver que par exemple il prend des droits exclusifs. Donc pour moi retourner dans ça m'ta dire, donc vendeur il dit nous comme ça faut pas passer trop côté. Donc kounyan là nous t'ai fait Sundance États-Unis, nous font festival première européenne qui est le BIFFF Bruxelles International Fantastic Film Festival. Oui, nous t'ai allé, nous t'ai font l'autre petit festival tout et Saint-Barth. Là normalement prochain gros festival que n'a pas attendre pile de lits de presse ou de bail, ça son festival Montréal qui est le Fantasia. Donc là passé beaucoup bonne date là exactement, mais festival là c'est juillet août, son festival qui est assez long, son gros festival de ça où il est vendeur yo a mettez nous dans catégorie qui aurait les films de genre. Film de genre c'est genre movie en anglais, bon son terme aussi en général tout, mais et donc voilà, c'est un gros festival qui gagne pile presse, et pour qu'on ait que Montréal bon très gros communauté haïtienne tout, donc et c'est une prochain gros objectif que nous gagne là, c'est un festival que n'a pas tant de li, voilà résultat presse, et puis voilà pour aider nous pour après ça pour distribution. Et on parle de financement, on connaît des gros cobs, par exemple dans le festival de Canada, m'a peut-être des Mario Coppola qui monsieur Vina aujourd'hui son paquet millions que monsieur Vina avec film ni, et qui j'en sais est premièrement financement nous pour nous réaliser film là, et puis deuxièmement est-ce que nous fait quoi? Nous beaucoup faire comme c'est la distribution vraiment que nous allons passer une étape côté que
gain l'argent qui va rentrer, qu'on y a l'argent ça va le séparer parce que nous-mêmes nous investis mais nous gagnons l'autre partenaire tout. Donc en gros, ou gain distributeur, vendeur qui paye tête en premier et puis gain ça aurait un waterfall quand on de l'eau cap tomber. Donc l'eau a commencé tomber, mon premier nèg qui a capté en haut, capté et puis après ça nous-mêmes au final les producteurs n'a pas capté. Donc l'idée c'est que bagaille a un succès et puis petit à petit bagaille va rentrer. Vous comprenez? Gaëtan, est-ce que nous inscrit film ça dans registre cinéma haïtien? Bonne question. Ou on est nous ton petit Jean peu fait parce que bon bah ça a été commencé en petit Jean sous matin livre les prend forme mais Haïti son pays qui pas reconnaître copyright. Donc si wap, si si mal enregistré on côté qui sont lavé monsieur à terre. C'est pour ça tout gain des petits efforts qui fait et copyright là nous quoi là dedans nous penser son bagage qui est important mais bon pays a gain des problèmes puis on prend bah ça a relayé à la cinquième priorité mais la plupart des artistes haïtiens kounyan c'est plutôt à l'étranger que à enregistrer tête yo comprendre mais moi connais un bureau haïtien des droits d'auteur mais bon institution l'on est à tel kounyan là que on connaît bah me pensais que c'est vers ça pour aller mais pour nous sincèrement nous pas faire donc autrement dit nous pas inscrire dans film haïtien nous pas inscrire dans film haïtien ouais. Ok, donc, ou même en tant que producteur, qui projet qu'on gagne, à part de films là qui sortit, ou toujours impliqué là-dedans, mais est-ce que, ou même avec l'équipe, nous gagne des projets? Oui, nous gagne l'autre projet, nous gagne plusieurs projets. Bon, t'as qu'à dire que projet immédiat que m'a travaillé sur yo là, moi gagne un projet, y aurait les, bon, qui est en développement, qui est les Vaudou. Avec un réalisateur haïtien, mais qui a vécu en France depuis très longtemps, qui est Will Mogval. Donc, son projet qui est en écriture. Et ça avance bien dans le sens que monsieur son jeune qui gagne pile talent. Et ça veut dire monsieur joint des séries de boost, des séries de aide. Et monsieur bien entouré. Donc, bon, une conversation avec monsieur demain. Donc, monsieur avance dans l'écriture de scénario là. Projet que j'ai dit qui plus en finition tout. J'ai un documentaire qui est l'autre bord. Avec un réalisateur, il est Samuel Suffren, qui d'ailleurs était Sundance avec nous tous, qui a été primé pour qualité un court métrage que monsieur fait. Donc ça prend le premier long métrage documentaire monsieur pour projet ça nous en post-production kounyan. Donc bien évidemment moi même Gilbert c'est producteur côté haïtien, nous un producteur français qui est les Bruno Florentin qui est Real Production et puis Samuel tout qui est compagnie par qui est les Kit Film qui sont coproducteurs avec nous. Donc là bon m'ta ka dit tournage à 90% fini. Encore un film que nous fait en Haïti dans des conditions et que vous connaissez, mais film là traité de migration haïtienne, le fait que Jean pays a là tout on a quitté pays a. Donc c'est ça qui est un petit peu et sujet documentaire là. Mais Samuel lui-même contrairement à Bruno, monsieur mon côté très auteur, monsieur mon approche complètement différent monsieur dans l'autre univers. Donc ça c'est projet ça m'ta ka dit qui est en finition là tout. Mon l'autre projet que m'a travaillé sous lui là qui relé avec une réalisatrice sur les Micha Bernier qui est les petits oiseaux. Ça lui-même son court-métrage. Donc beaucoup plus petit, c'est premier statement lui en tant que réalisatrice. Donc son projet que normalement nous t'avait tourné au Cap Haïtien parce que bon comme son film toute bagaille ça yo pour présenter un petit Jean nouveau qui Jean bail ça va passer avec Kenya toute bagaille mais nous pas gain projet al shoot film pour Prince pour le moment là. Donc oui, avec après expérience que nous avons fait dernièrement. Non? Exactement, chez manger nous déjà donc ça pas nous pas toujours vivant. Oui, exactement, grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu, vous prenez nous pas de gain dommage n'ta ka dit physique, vous prenez même monde qui était fait en semaine dans mes messieurs. Tout le monde bien sorti, mais voilà. Le son petit reportage, on tire comme ça, on tire plus facile, mais on est cinéma, son bail qui m'a des moyens, son bail qui a un pile équipement à terre, donc. N'a fait un film sur kidnapping et puis au kidnapping. Voilà. La réalité, film n'a vint tout nous, réalité sur nous. Mais qui j'en ou même ou gade cinéma haïtien, perspective, ou est gampil avant, c'est qu'a fait? Qui j'en ou est ça? Mon cher, m'pense que nous fait partie de, génération Pamna, nous fait partie de nouvelles vagues et cinéma, parce que on est. Jean-Manfred Théré m'a dit, t'es un âge d'or du cinéma haïtien, t'es une époque, t'es un paquet de films, La Rebel, I Love You Anne, t'es une époque. Et puis surtout, tout pas oublier un bagage, nous t'es des salles de cinéma. Ouais. Donc, bagage, ça a été metté en engouement. Et bah, ça a été metté en engouement, mon Théré m'a regardé le film, t'es une époque où t'as regardé ces films haïtiens seulement. Et puis bon, pour plein de raisons que je ne vais pas prêter à donner, dont ça, lui, qui vient craser après tremblement de terre, vient une sorte de frein.
comprenez? Mm-hmm. Et puis cinéma pas oublier son bail qui m'a des moyens tout et le bon gens pour exploiter pour rentabiliser produit et puis montrer un autre plein film dans diaspora tout faut pas oublier ça c'est quand même du cinéma haïtien vous comprenez donc en tout cas vinn gon moment c'est comme si d'ajout et vinn gon slow down mais me penser le fait que gain toute une nouvelle moun l'âge mwen yo m'daka di ça veut dire ou gain Jessica Bruno qui c'est à peu près même génération gain des l'autre moun tout gain Robinson Lovens gon série de l'autre messieurs kounya en Haïti tout et par exemple moi fait partie de l'association et AHC association haïtienne des cinéastes reprend son groupe que nous gain bon bah là peut-être pas officiel son ancien association que Arnold Antonin était fait voilà et bah il était venu tige tombé kounya là bon n'ta ka di nou beaucoup officiel mais au moins nous gon groupe WhatsApp nous entre nous partager nouvelles vous comprenez moi et bon ou gen tout des monde qui dans documentaire comme Rachel Magloire madame Magloire yo ça veut dire que gen des bagay k'ap fait li pas évident mais gen des série de monde qui passionné ça veut dire me penser que plus ça avancer et pas oublier que cinéma tout son bagay que me penser qui très important pour une nation son bagay qui comme si m'dazou qui montrer nan mon qui montrer qui est souillé qui montrer peuple donc je pense que j'ai espoir, même si tu as un sort de ralentissement que tu as fait pendant longtemps. Je pense que le démon qui a couché Jessica arrive à Cannes, nous-mêmes nous faisons Sundance. Son espoir que lié tout pour et nouvelle génération qui a venu, qui voit que monde qui semblait, ou du moins monde qui saute même côté avec eux, et arrivé des côtés, et que eux même qui a fait tout. Et puis il y a une amélioration tout. Oui, et puis il y a une amélioration. Nous essayons niveau technique. Qui fait que niveau dans film pas nous bon t'a qu'a dit que nous t'ai un pile étranger pour équipe caméra comme c'est ton coproduction nous t'ai gagné pas 7 techniciens français pour cascade nous t'ai gagné 3 colombiens avec nous par moment t'ai gagné dominicain qui était dans équipe machiniste et équipement parce que nous t'ai loué gagné des séries d'équipement qu'on va gagner en Haïti pour faire cinéma donc et malgré que c'est très difficile nous jeunes dominicains qui fait nous confiance qui t'ai voyé équipement yo kidnappé équipement monsieur quitté équipement en Haïti monsieur revoyé équipement en Haïti pendant toute l'autre dominicain dit monsieur fou parce que on est bah un petit gens compliqué entre nous mais quand même à chaque fois nous t'ai toujours un monde qui t'ai accepté faire nous confiance pour nous avancer donc c'est ça vous comprenez moi qu'on gagne arrangement qui fait avec cinéma africain moi qui a cap valer terrain effectivement et, nan ki point nous même ou même cap suivre ou même qui gagne jeu de technicien d'expert qui en ouais mon cher ou qu'on aime de vivre en Afrique avant que me vienne ici parce que me vienne atterri ici en juillet dernier même fait 5 ans m'a vivre Côte d'Ivoire l'autre bois très dynamique alors yo peut-être moins cinéma mais gagne Canal Plus qui mettait en pile l'argent nan et série télévisée parce que de toutes les façons série c'est format qui ont déjà marché à tous les niveaux vous comprenez avec plateforme yo. Donc l'autre bois a un canal qui produit en pile. Avantage que yo gagne yo même c'est que yo francophone. Ça veut dire nous-mêmes là vendre film nous là, c'est compliqué pour dire nous on va regarder un film en créole. Vous comprenez? Ça veut dire peut-être que n'a pas doubler, peut-être que n'a pas capable doubler, ça sont l'autre débat. Donc c'est caption nous utiliser. C'est caption nous utiliser pour l'instant parce que doubler a coûté en pile comme, ça veut dire nous t'a doubler film dans nous gagne tête, ça veut dire comme nous mais on va aller des comme doubler, nous va procéder comme ça. Donc distributeur là qui a peut-être fait choix ça, si nous réussi faire, je pense c'est l'étape très bon parce que la facilité francophone, c'est-à-dire la France et l'Afrique francophone en général. Mais donc pour revenir à ta question de association, gen quelques grands haïtiens qui dans domaine qui quand même a évolué en Afrique tout, nous t'ai fait si contact même pas tellement qu'on nèg yo mais gen cinéaste qui est Côte d'Ivoire, gen qui au Sénégal, yo même yo plus ou moins rentré dans circuit à tout, vous comprenez nous petit gens compliqué avec distance là. Bon Robinson Lovens nous a dit que monsieur gon pas songe non film monsieur a même monsieur son coproduction en tout cas monsieur font film haïtien, monsieur shoot quelques scènes au Sénégal. Vous comprenez? Donc, ça veut dire et que. Et moi, j'ai un acteur haïtien, tout. Par exemple, Reginald Lubem, quoi, monsieur, participé dans un film haïtien, africain. Oui, ouais. Et puis bon, j'ai Jimmy Jean-Louis qui s'est mis en Afrique là, tout. Vous comprenez? Oui, Jimmy shoot toute la journée en Afrique, africain, on remet monsieur en pile. Monsieur shoot énormément chez francophone, énormément chez anglophone, non? Vous comprenez? Bon, Jimmy lui même, c'est international. Vous comprenez? Mais monsieur sont haïtiens quand même, tout. Oui. Donc, monsieur a fait six steps là. Mais, Jean Tabzou, c'est Afrique là très divisée entre francophone et anglophone. Anglophone yon ti jan bi loin pa bon menti surtout que Netflix l'autre boa mais que francophone yon du fait que Canal a pe soufflé et fond et financé d'ailleurs m'était participé m'était chargé de production son série que relé au Batanga qui était gain 6 pour m'd'alors m'était fait première saison
y a shoot de moi quoi fait fin shoot deuxième saison là ça veut dire même yo gon marché nan men yo gon industrie ça veut dire m'té son plateau gagne pote 100 techniciens sur plateau a et gon industrie on comprend qu'a fonctionner on comprend m'pas quoi que nous gagne lien fort mais et yo même m'a avancé donc c'est nous même pour nous qui j'ai pour nous fouer quand nous la donne tout bien que gagne côté tout j'ai l'impression que gagne gouvernement qui derrière yo gagne groupe compagnie qui derrière en Afrique là et en tout cas le son cloche que m'té gagne de la part de plan A qui c'est société que m'té travaille pour lui c'est que gouvernement yo soi-disant gon fond mais on son question de moun pas ça dit yo même yo pas joine rien la donne yo même c'est canal et puis l'autre fond yo quand coup JCF que nous même